Bonjour tout le monde, je me présente Christian Sarbar, président de la Société de développement de Verbier. C'est un honneur pour moi de vous présenter ce film qui relate les 75 ans de notre société et surtout qui va vous montrer les activités de notre station et de ses responsables qui participent à la collaboration et au développement de la région. J'étais président de la Société de développement de Verbier en 1968, après M. Besson et M. Casanova. Effectivement, le village de Verbier était le plus pauvre de la vallée, du fait que c'était des Mayens et ce n'était pas facile de gagner sa vie là-haut. Alors, heureusement que le tourisme est arrivé. Oui, c'est Freddy Michaud, j'ai été président de la Société de développement durant 8 ans. Donc nous avons eu évidemment besoin de visionnaires à l'époque qui ont pensé acheter des terrains nécessaires. Le terrain à l'époque était de l'ordre de 5 à 10 francs le mètre carré. Je suis rentré dans les années 1992 sous la sollicitation du président Levet pour intégrer le comité de la Société de développement. J'ai eu beaucoup de plaisir d'y travailler. J'ai passé ensuite 4 ans comme vice-président et 8 ans comme président. Lors de la préparation de ce film, j'ai vu effectivement ces vieilles photos de Verbier et au fur et à mesure de l'évolution de cette station, la voir effectivement en construction permanente avec effectivement une qualité de construction tout à fait exceptionnelle et je crois vraiment que Verbier est vraiment une des plus belles stations du monde. Et maintenant, je suis content de voir le développement de Verbier et je lui souhaite un très bel avenir. Le rôle de notre société, c'est d'assurer le lien entre les autorités politiques et les autorités touristiques. C'est aussi un lien important entre les différents partenaires de la station et les touristes en visite dans notre région. Tout se passe au sein d'un comité de société développement. Nous sommes un comité de 9 personnes qui travaillent toute l'année. Chaque mois, nous nous réunissons pour traiter tous les cas qui se présentent sur Verbier. Donc le mois de mai, c'est une saison importante parce que d'abord on fait le bilan de la saison passée et surtout on prépare la saison future. C'est intervention dans les infrastructures, dans les routes, dans le nettoyage, dans l'embellissement de la station. Bonjour, c'est Kiki Thompson et puis je vous présente la Fondation 3D. On a eu l'idée de mettre des sculptures en haute montagne. On a voulu faire une résidence artistique où on invitait les artistes professionnels et émergents internationaux et suisses à Verbier pour créer les sculptures monumentales sur place. Et on les posait après les 5 semaines sur le chemin entre Runette et La Chaux. Le Trail Verbier-Saint-Bernard, c'est une course à pied de longue distance qui a été lancée en 2009, qui se déroule au début juillet sur 2 parcours, depuis La Foulie et depuis Verbier pour 61 et 110 km. On a pu accueillir sur les premières éditions jusqu'à 21 nationalités. Donc au niveau de la région, c'est quelque chose qui apporte des nuitées sur l'événement, mais aussi une image d'une destination qui a plus de 700 km de sentiers pédestres et qui invite les gens à revenir sur le parcours.
L'été, on a plein d'activités. Ça va du golf avec un 18 trous. On a du mountain bike, bien évidemment. On a de la promenade pédestre. On a des activités beaucoup plus ludiques qui se font avec la jeunesse par des camps de sport. Et bien entendu aussi plein d'animations, plein d'événements qui ont lieu durant toute la saison. En commençant bien sûr par le Verbier Festival de musique classique, qui continue par le concours hippique international de Verbier, qui cette année sera un jumping 3 étoiles. Pour se terminer en saison un peu plus festive par le Verbier Bike Fest, qui est une concentration Harley-Davidson sur la station. Bien sûr, il y a aussi en parallèle d'autres activités des courses, telles que le Verbier Grimens, qui est une course très connue maintenant, qui a lieu depuis 25 ans, et toutes sortes d'autres activités pratiquement journalières qui sont là pour animer la station et pour occuper la jeunesse qui est très présente dans la station. En automne, c'est une saison exceptionnelle. On a tout pour bien faire. Le mountain bike existe, des pistes sont magnifiques, la nature est resplendissante. Il suffit simplement de persuader nos partenaires de rester ouverts, de nous accompagner dans une après-saison d'été qui est fabuleuse. Et là, je pense que ce challenge, il est tout à fait relevable. On peut le faire, mais il faut travailler ensemble. Bonjour, je m'appelle Yann Bakowski et je suis le directeur de la destination Verbier-Saint-Bernard. Nous essayons de trouver des manières inédites de faire la promotion de Verbier. Par exemple, nous avons Slide & Sound, qui était une opportunité de faire connaissance ou de promouvoir Verbier auprès des Suisses romands à Martigny. Nous avons utilisé la cabine du téléphérique du Montfort, l'ancienne, pour la redécorer à nos couleurs et on l'a mise sur roulotte pour amener à droite et à gauche pour faire la promotion de Verbier. Il était indispensable de pouvoir soutenir notre jeunesse et c'est pour ça qu'on est fiers d'avoir créé la première soirée de soutien qui, en partenariat avec Téléverbier, nous a permis de récolter plus de 120 000 francs et de distribuer ça à plus d'une trentaine de jeunes sportifs et artistes qui sont vraiment l'avenir de notre destination. Après l'automne, bien sûr, à l'hiver qui est notre saison phare de la station, à un moment donné, on essaie de donner une date pour que l'hiver démarre. Bien évidemment, ça dépend des conditions d'enneigement. Là, on ne maîtrise malheureusement pas la situation. Heureusement, Téléverbier a investi beaucoup d'argent dans les canons à neige, donc on arrive à avoir une saison d'hiver qui est assez garantie, je dirais, au niveau enneigement à partir de mi-novembre. Là, ça commence relativement doucement, des week-ends très forts, ce qui nous permet de nous préparer pour être prêts pour le 20 décembre, où là, vraiment, la grosse saison commence. En parallèle à ça, il y a toute la partie décoration de Noël qui doit se mettre en place, toujours en collaboration avec la commune de Bagnes, pour arriver dans le pic de la saison, c'est-à-dire les fêtes de Noël et de fin d'année, où là, la station est pleine, c'est 30 000 personnes, c'est une grande fête dans la station. Yeah!
La stratégie marketing est relativement simple. Il y a deux objectifs. La première, c'est développer et renforcer les saisons traditionnelles, c'est-à-dire l'hiver et l'été. La deuxième, c'est le développement du tourisme à l'année ou au moins 10 mois sur l'année. Nous avons mis un accent sur le développement du tourisme d'affaires, le MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition, et qui va permettre à remplir les saisons un peu plus creuses sur la destination. Bonjour, je m'appelle Benoît Bourgon, j'ai rejoint l'équipe de la SDV en novembre 2011, ayant pour mission de développer le tourisme d'affaires. Au cours de ces 5 mois, nous avons pu constater une forte demande de la part des entreprises d'organiser leurs séminaires et conférences sur la destination Verbier-Saint-Bernard. La reprise du hameau a permis la concrétisation d'une trentaine d'événements, le plus important ayant été le GPS. Bonjour, je m'appelle Éric Nanchène, je suis le directeur de la Fondation pour le développement durable qui est basée à Sion. Et je suis ici aujourd'hui à Verbier pour vous parler du GPS. GPS, ça veut dire Green Pioneering Summit. On va parler de développement durable dans les communautés et on va faire un lancement d'une plateforme autour de la montagne. On va lancer un forum sur la montagne et on sera en live avec Katmandou, avec Whistler et avec Lima. Hello, good morning. My name is Marina Mbirikas. I am a resident of Verbier Valdebanne and I'm also the co-founder and president of the Verbier GPS. Why are we doing all this here in Verbier? Because we all love nature, we all love our mountains. We'd like to live in a beautiful environment, but it's more and more difficult to be resilient to adapt against, you know, climate change, development. We're looking about efficient solutions. Ce week-end, vous aurez l'opportunité de tester des véhicules 100% électriques. Donc on a 5-6 véhicules électriques différents que vous pouvez tester ici sur la place centrale de Verbier. Alors venez nombreux et puis on vous emmènera faire un tour dans ces nouveaux véhicules. On a des places dédiées à l'électrique, on a 5 bornes de recharge installées sur le domaine public et privé. Nous avons organisé une expo inédite Âge de glace. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir offrir une animation supplémentaire, surtout pour les enfants, mais les enfants de tout âge. So I'm speaking with Peter Desev, who is the creator of many of the characters for Ice Age. Peter, you are here in Verbier, which is probably the home of the Ice Age. I don't know if you... Yeah, it is today. So your first impressions of the town? It's very beautiful, and it's I feel like I'm here on a really special weekend because we're having so much snow. It's apparently that you haven't had this kind of snow for 25 years or something. Why is this important to you to be able to share this with people? Well, I think when people see an animated film, they're not always aware of how they're put together. They just appear all completely finished and refined, but in fact there's about 3 or 4 years of work that goes on behind the scenes before these films are even created. And one of those things is character design, which is what I do. Il dessine bien et puis c'est assez vite. Hein. C'était bien, il nous a montré tous ses croquis, ses préparations de dessin. Ces dessins que l'on voit ici sont des dessins qui proviennent des studios américains. Blue Sky, le studio américain qui a réalisé L'Âge de glace, L'Âge de glace 2 et 3 et bientôt L'Âge de glace 4. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que c'est la Fox aux États-Unis qui nous a donné l'autorisation. Sont à Los Angeles, Blue Sky est à New York et ils ont réuni vraiment une sélection incroyable. Peter Desev lui-même qui a découvert l'exposition à Verbier-Saint-Bernard aujourd'hui était surpris de la qualité des dessins qui sont proposés. Et c'est vraiment les dessins originaux qui ont été réalisés aux États-Unis pour les films Âge de glace. Nous avons eu plus de 3000 visiteurs et surtout les journées où, à cause de intempéries, les pistes étaient fermées, on a eu des pics jusqu'à 300-400 personnes dans une journée. Nous sommes très très contents des résultats de cette manifestation. Nous avons collaboré avec Suisse Tourisme, avec Valais Tourisme pour continuer des actions sur des marchés de proximité. Nos marchés prioritaires sont bien évidemment la Suisse, l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Benelux et puis les pays scandinaves. Et nous collaborons surtout avec Valais Tourisme dans le cadre du Matterhorn Region qui regroupe les 5 stations les plus importantes du Valais pour faire la promotion sur des marchés lointains tels que la Russie, le Japon, la Chine, l'Inde et les États-Unis.
Nous sommes présents dans des marchés un peu différents, par exemple au Moyen-Orient, le Arabian Travel Mart qui a lieu à Dubaï, ou sinon d'autres actions dans le Moyen-Orient, dans d'autres pays où nous ne sommes pas encore très bien connus. Nous soutenons bien évidemment nos infrastructures régionaux. Par exemple, nous travaillons avec des tour opérateurs russes qui sont intéressés à organiser des charters sur l'aéroport de Sion. Cela est très important pour le développement de la région, mais surtout pour Verbier parce que ça diminue de 50% le temps de trajet d'un aéroport à Verbier. Hello, we came from Russia. It's our second day in Verbier. We enjoy the wonderful weather. It's sunny and very warm. We like the slopes. The slope is very soft. The snowboards works very well. And we enjoy the ride. The village is very, very nice. Beautiful. We liked it. So many young people who doing ski and other sports and we like it. Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par Genève Tourisme pour travailler en collaboration pour le développement de produits pour des marchés lointains qui vont permettre à ces touristes de découvrir le week-end Genève et la semaine Verbier. Nous sommes vraiment fiers des partenariats que nous avons pu créer ces derniers temps, notamment avec Porsche et avec UBS. Porsche a choisi Verbier parce qu'on a une clientèle qui est commune. UBS organise chaque année des opérations qu'ils appellent les Swiss Nights, où ils invitent leur clientèle de haute valeur dans un lieu prestigieux pour présenter des produits luxueux suisses. Et ils ont choisi Verbier pour être leur partenaire, pour présenter bien sûr Verbier en été comme en hiver. Bonjour, je suis Géraldine Demandato, Event Manager pour la destination Verbier-Saint-Bernard. Les événements ont une très grande importance pour les stations, particulièrement pour une station comme Verbier, parce que la montagne, en été comme hiver, c'est magnifique, mais ça ne suffit pas toujours pour attirer des touristes. On a une très grande diversité d'événements. Alors l'extrême, à chaque fois, c'est à peu près 1500 heures de diffusion TV dans le monde entier. Donc ça va du Japon à l'Amérique du Sud, aux États-Unis, à tous les pays européens. Donc en tout, c'est une soixantaine de pays qui diffusent ces images, soit en live pour certains, soit en différé avec les sujets qu'on leur fournit. La Patrouille des Glaciers, c'est une course de ski de randonnée. C'est d'abord une aventure alpine. Plus de 4200 patrouilleurs y participent chaque 2 ans. C'est aussi de nombreux spectateurs. Plus de 10 000 personnes viennent le samedi sur l'aire d'arrivée pour encourager et féliciter tous ces coureurs. C'est aussi de nombreux randonneurs qui viennent durant toute la saison découvrir les itinéraires à ski en direction de la Rosa Blanche. Et d'autres itinéraires aussi nocturnes en direction de Savolaire ou des Atlas. Et c'est vraiment quelque chose qui est très profitable à la station. Un nouveau public de non-skieurs, mais de sportifs qui animent bien la station en fin de saison. Le travail d'un office de tourisme, c'est avant tout un travail en équipe. Et je suis vraiment fier des collaborateurs, leur réussite de cette année. Je m'appelle Isabelle Efti, je suis responsable communication pour la destination Verbier-Saint-Bernard.
Je m'occupe essentiellement des accueils presse, de la newsletter client et de la newsletter interne. Alors pourquoi est-ce qu'on soigne autant nos accueils presse et pourquoi est-ce qu'on reçoit aussi autant de journalistes du monde entier? C'est parce que ça nous permet d'avoir des articles détaillés, bien fouillés, bien documentés. Ça nous permet aussi et surtout d'avoir une contre-valeur publicitaire dans certains magazines auxquels on n'aurait pas forcément accès. Et du coup, on économise pas mal en frais de publicité. Alors on a aussi un budget pour la publicité, ensuite on se concentre sur certains magazines. Chaque année on fait un plan de communication publicitaire. Cette année par exemple c'était tous les in-flight magazines, donc on a fait par exemple dans le magazine EasyJet en janvier, on a fait dans le TGV Lyria et les taxis bleus parisiens. Salut, je m'appelle Nancy Pellissier, je travaille au sein de la destination Verbier Saint-Bernard en tant que responsable de marché. Donc je m'occupe de tout ce qui est promotion à l'étranger, promotion également en Suisse. Donc on fait pas mal de foires et de salons professionnels. On se rend à l'étranger, on rencontre des tour opérateurs, on rencontre des journalistes, des personnes qui peuvent être intéressantes pour notre destination. Je m'occupe de tout ce qui est brochures, donc des contenus des brochures, production et tout ça. Donc je travaille pas mal aussi en relation avec le graphiste. Lui s'occupe plutôt de la mise en page et moi plutôt du contenu. On produit par année 60 000 brochures principales. Donc pour l'hiver et l'été, elles sont distribuées et réparties en fait entre les différents partenaires de la destination, que ce soit les hôtels, les différentes entreprises qui souhaitent les distribuer. Ensuite, on les distribue également à l'étranger, que ce soit dans les différents bureaux de Suisse Tourisme ou alors chaque fois qu'on part en promotion, on bosse au Chalet Orny. On a une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Pour vendre une destination, je pense qu'il faut connaître ses produits. Personnellement, je fais énormément de ski, je suis née dans la région. J'ai toujours fait du ski, que ce soit sur les pistes de Verbier ou Bruzon. Puis c'est vraiment hyper important de connaître son produit pour pouvoir faire la promotion par la suite. Donc de connaître le domaine skiable et de connaître les différents restaurants ou de connaître la station, c'est vraiment super important. Bonjour, je m'appelle Gaëtan Tournet, je suis responsable produit pour la destination Verbier-Saint-Bernard. Donc responsable produit, c'est-à-dire que depuis une année, je mets en place un système de réservation sur Internet. Ce système de réservation a pu être mis en ligne le 1er décembre dernier et a donc déjà bien fonctionné durant cet hiver. Nous y avons intégré principalement les hébergements en hôtel et nous allons poursuivre dans les prochaines semaines avec les agences immobilières et toute autre forme de logement. Grâce à la mise en place de ce système de réservation, nous allons donc pouvoir créer différents produits. Nous l'avons fait cet hiver avec l'offre ski de printemps et nous allons continuer cet été afin de pouvoir montrer à nos hôtes tout le patrimoine culturel, naturel et toutes les activités sportives que nous pouvons pratiquer dans la destination Verbier-Saint-Bernard. Salut, Fred Cupers, responsable e-marketing de l'Office du Tourisme. Mon boulot, c'est donc le graphisme, le web, donc ça regroupe tout ce qui est Facebook, newsletter, maintenance du site web. Il faut savoir qu'il y a plus de 1700 partenaires au sein de la destination, donc il y a plus de 1700 pages en fait sur site internet. La troisième partie de mon travail consiste à m'occuper de tout ce qui est campagne publicitaire, donc tout ce qui est flyer pour animation, campagne hiver, campagne été, donc création des visuels, envoi dans les différents journaux, en impression pour des flyers et autres. Bonjour, je m'appelle Laurence Fournier, je suis responsable de l'Office du Tourisme de Verbier. On est une équipe de 3 à 6 personnes suivant l'époque de l'année. On est ouvert tous les jours de 8h30 à 19h. On est là pour conseiller le touriste et les accompagner au mieux durant leurs vacances. Tourisme System est un système qui a été créé par des professionnels du tourisme, pour des professionnels du tourisme. Un système qui est très facile d'utilisation et qui nous facilite la vie énormément. Donc, on met toutes les informations d'un prestataire sur nos fiches techniques et ce qui va sortir sur Internet pour que les clients puissent renseigner au mieux. Je m'appelle Reto Sommer et puis je m'occupe des taxes de séjour. L'encaissement des taxes de séjour des gens qui viennent à l'accueil chez nous payés directement ou bien les forfaits pour les résidences secondaires. Je m'appelle Bertrand Coppet, je suis actif dans la destination Verbier-Saint-Bernard et les sociétés de développement depuis 3 ans maintenant. J'ai la responsabilité de l'administration, des finances et des ressources humaines. C'est un défi personnellement super intéressant parce que la mise en commun de ces différentes structures a posé de nombreux défis de gestion que j'ai eu beaucoup de plaisir à relever. We'll be right back.
Et je souhaite un bel anniversaire à la Société de développement pour ses 75 ans et de longues et belles années pour le futur. Joyeux 75 ans. Je souhaite un bon anniversaire à Verbier pour la 75e année. Alors écoutez, Verbier est une station magnifique. La SDV est exceptionnelle et je lui souhaite un magnifique anniversaire et qu'il vienne au concours épique. Bonjour, c'est Cassie Motet Klein aux Runettes. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Verbier. Voilà. Et je voulais dire que j'ai tourné mon dernier film avec Ursula Meyer qui s'est passé justement à Verbier, donc un joyeux anniversaire. Sandra Ludy du Ski Cross, et je vous souhaite un très bon anniversaire. Je souhaite tout de bon à la Société de développement parce qu'on est bien parti et ça va bien finir. Bonsoir, Aline Bacher, Miss Suisse Romande, et un joyeux anniversaire pour Verbier. Salut, c'est Alain Tissière et je souhaite un joyeux anniversaire à la Société de développement de Verbier. Verbier, I wish you all the best for your 75th birthday. I mean, that's quite a lot. I am not that age, so I love Verbier. I love to be there. All the best. Salut, c'est James Blunt et bon anniversaire à Verbier. I wish all the best to Verbier. Happy birthday. Eh ben, toutes mes félicitations, un joyeux anniversaire à Verbier. Encore de nombreuses années comme ça et on reviendra. Il y a 75 ans, mon papa était premier directeur de l'Office du tourisme de Verbier, M. Gilbert Roux. Et ça fait plaisir, 75 ans après, de souhaiter un bel anniversaire. Je vous souhaite un joyeux 75e anniversaire à Verbier. Bon anniversaire, Verbier! Joyeux anniversaire et 75 ans encore de bon développement. Happy 75th birthday from the bank. We celebrate the 150th birthday all in the same year. All the best. Joyeux anniversaire à notre Société de développement. Tout bon pour l'avenir et je suis sûr que le meilleur est encore devant nous. Alors la commune de Bagnes est très heureuse de souhaiter un joyeux anniversaire à la Société de développement de Verbier. Salut, c'est Philippe May, je suis le directeur d'école suisse de ski de Verbier et je souhaite un excellent et joyeux anniversaire à la Société de développement de Verbier. Un joyeux anniversaire à la Société de développement pour ses 75 ans. Hi, we're the Fuel Girls. And we're here in Verbier to wish you a happy 75th birthday. Voilà, à mon tour maintenant de vous souhaiter aussi un joyeux anniversaire pour ce 75e. Vraiment une fierté parce que depuis 1937 que Verbier vit du tourisme, c'est merveilleux. Je souhaite un très joyeux anniversaire pour ces 75 ans de la Société de développement de Verbier. J'ai le plaisir aujourd'hui de souhaiter un agréable anniversaire à la Société de développement que j'ai présidée. Et voilà, alors bon anniversaire à notre Société de développement. Elle a mon âge, 75 ans. Je souhaite un joyeux anniversaire à la Société de développement de Verbier. Mm-hmm.